peu la liturgie avec les chants de la Pentecôte et les textes aussi liturgiques de la Pentecôte. Voilà, vous allez poursuivre, vous le savez, mais peut-être que pour les nouveaux, vous allez poursuivre la liturgie afin de savoir un petit peu ce que vous pouvez chanter, etc. Vous avez un petit feuillet. Voilà, je vois que certains l'ont trouvé. Vous pouvez trouver à l'entrée de l'église qui vous indique un petit peu justement cette œuvre commune que nous avons à célébrer ensemble, chacun à sa place. Voilà, belle liturgie et à tout à l'heure. Thank you.
Notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Thank you.
leur disait parole. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Le Père a eu compassion de
Le Fils s'est chargé d'y remédier et l'Esprit Saint a tout enflammé par le feu de son amour. Devant l'immense mystère de la Trinité, quantité de métaphores ont été suscitées. Le grand Saint-Éphrem parlera du soleil, le Père, source de toute vie, de ses rayons et de sa lumière, le Fils incarné, lumière du monde, et de sa chaleur, le feu déificateur que communique l'Esprit. D'autres diront que le Père est plus créateur, que le Fils est plus sauveur, et l'Esprit plus sanctificateur. Dieu Trinité, Dieu Trinité, c'est Dieu communion, Dieu relation, unité d'amour dans les sens, pluralité d'amour dans les personnes. Oui, tout est donné, tout est prêt. Aussi, attendons-nous davantage. Profitons de cette résonance particulière de l'entrée en cause. Plus que jamais, l'Esprit Saint nous tend sa main vivifiante. Cette résonance est propre à chacun, certes, mais il semble qu'à terme, elle possède deux ou trois dénominateurs communs. L'humilité, l'amour, la joie. Que nous le ressentions dès à présent ou pas, nous avons reçu un don de l'Esprit Saint, une force, une aide. Ainsi, fort de ces dons reçus, de ce désir renouvelé, de cette joie frémissante, ce que nous pourrions fêter aujourd'hui en ce premier dimanche après la Pentecôte, appelé dans notre tradition occidentale dimanche de la Sainte Trinité, ce serait justement le renouvellement pour certains ou le renforcement pour d'autres de cet appel profond, de ce désir ontologique d'être au plus proche de notre Dieu tout entier, au sein même de notre Dieu trinitaire, d'aller toujours plus loin pour être le plus proche possible de ce Dieu créateur que nous aimons, que nous adorons, peut-être même trois fois plus du fait qu'il soit trois à aimer, comme pour mieux nous faire comprendre et désirer l'amour inconditionnel pour notre prochain. Quand notre Dieu trinitaire nous fait entrer dans sa relation, dans son mystère de communion, il ne fait rien d'autre que nous révéler le plus intime de son être. Dès lors, nous comprenons que c'est à travers une expérience vivifiante, vivante, vitale, une expérience donnée par l'Esprit Saint que nous pouvons connaître, avec des guillemets bien sûr, que nous pouvons connaître Dieu. L'Évangile de Jean et les paroles du Christ lui-même l'expriment ainsi. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Pour compléter cette métaphore trinitaire, nous savons que cela ne peut se faire s'accomplir que dans l'Esprit Saint. Dieu est avec nous sans cesser d'être Dieu, précisément parce qu'il est relation et communion. Dieu se révèle à nous tel qu'il est en lui-même, en son sein, précisément parce qu'il est relation et communion. C'est Dieu tel qu'en lui-même qui est Dieu avec nous. C'est Dieu qui ne cesse pas d'être Dieu quand il rejoint l'être humain. Et c'est l'être humain qui ne cesse pas de se déifier tant qu'il maintient en lui la présence du divin. Alors, l'être humain connaît Dieu et vit de Dieu en son humanité. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Souvenez-vous de cette parole de saint Paul aux Galates. Ainsi, connaître Dieu Trinité, c'est entrer dans un dynamisme de communion. C'est se fondre dans cet irrépressible mouvement de Dieu qui vient à la rencontre de chacun et de chacune pour nous offrir une invitation permanente et individuelle à entrer dans la danse du vivant.
une invitation strictement personnelle, mais qui nous concerne tous et nous responsabilise tous. Dans la création initiale s'inscrivait déjà la Trinité, comme en filigrane. Saint Nicolas Cabasillas, grand théologien byzantin et laïque du XIVe siècle, nous précise que le Père en était le bonheur, le Fils sa main et l'Esprit Saint son souffle donateur de vie. Depuis, le Père s'est réconcilié avec nous. C'est le Fils qui a opéré cette réconciliation et le Saint-Esprit est maintenant le don ultime, absolu de Dieu, puisque vit même de Dieu. Accordé abondamment depuis la Pentecôte, mais déjà présent et scellé en nous depuis notre baptême. Recevoir le baptême au nom des trois personnes, c'est recevoir l'habit de lumière, l'habit de noces, la tunique d'immortalité nécessaire pour pouvoir au plus vite entrer dans cette danse du vivant, pour y faire ses premiers pas. C'est David dansant devant l'arche d'alliance. C'est la danse merveilleuse des mots du Cantique des Cantiques. C'est aussi la danse des trois tours de nos sacrements. Notre religion chrétienne est une religion aux nombreux mystères, nous le savons. Tous impénétrables pour l'esprit humain. Devant de tels mystères, l'Église et nos grands saints théologiens ont souvent eu tendance à privilégier, à préférer aux mots du langage commun les symboles, les métaphores et la poésie. Notre Seigneur s'exprimait souvent en parabole. Aussi, pour terminer cette homélie, j'aimerais vous lire ce poème d'une moniale carmélite, la bienheureuse Élisabeth de la Sainte Trinité, sa femme. Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à t'écouter, je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de toi, puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux te fixer toujours et demeurer sous ta grande lumière. Ô mon astre aimé, fascine-moi pour que je ne puisse plus sortir de ton rayonnement. Ô feu consumant, esprit d'amour, surviens pour moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe. Que je lui sois comme une humanité de surcroît en laquelle il renouvelle tout son monde. Et toi, ô Père, penche-toi vers ta pauvre créature, couvre-la de ton ombre, ne vois en elle que le bien-aimé en lequel tu as mis toutes tes complaisances. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, je me livre à vous, abandonné, ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler les merveilles de vos grandeurs. Oui, tout nous est donné, tout est prêt. Alors, attendons et laissons définitivement notre Dieu être notre tout, en toute chose et en tout temps. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Mère de Dieu, toujours Vierge Marie,
de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marc et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Octave, évêque de Milève, Saint Pérec, ermite en Cornouailles, dont nous faisons mémoire et de tous les saints, demandant au Seigneur. Jadis, le feu se détourna du sacrifice impie de Baal,
et consuma les 12 pierres de l'autel avec l'holocauste que le prophète Élie présenta à Dieu. Or, chaque fois que nous faisons mémoire du sacrifice du Christ, ce feu inaccessible remplit invisiblement ce lieu saint, sans consumer pour autant ni nos offrandes, ni nous-mêmes, ses indignes serviteurs et servantes. C'est pourquoi, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Basile, prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, qu'au Éternel, au Père et au Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint est sans relation pour toi, et la vertu du Très-Haut est pour toi. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Que Dieu nous accorde. Des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et tous les apôtres.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Et le bon au cœur. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et sanctaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, ineffable, indescriptible, invisible et immuable, par le Christ notre Seigneur. La Pâque s'accomplit en ce mystère des 50 jours, la diversité des langues qui, par l'orgueil, avaient jadis tourné à la confusion, devient en ce temps par l'Esprit Saint le ferment de l'unité. C'est pourquoi toutes les nations de la terre, avec toutes les femmes enchantées, proclament ton nom très saint en disant.
répondit nos sainteté à ta victoire, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps. Amen. Et le sang. Amen. De ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Esprit Saint. Amen. 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 Ces saints confèrent la vie éternelle à nos anges et le royaume céleste à nos enfants. Par notre Seigneur lui-même, parti du Créateur de toutes choses, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est créé, et distribue ce qui est sanctifié. Dieu de la Trinité parfaite, dis-le pour les siècles des siècles. Thank you.
Accepte-moi de ces mystiques comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas. Mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi. Une seule parole et je serai sauvé. Je serai guéri. Amen.
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste, restaurés par le calice éternel, rendant sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qui a reçu le corps sacré du Christ dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels.
Asseyez-vous quelques instants pour les annonces. Ce sera rapide.